Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 16 juin 2016, je vais vous présenter une distribution Linux basée sur Arch Linux, mais qui n'est pas Manjaro. J'ai nommé Antergos. Donc, je vais vous montrer ici l'installation de la distribution et on va l'explorer juste après son installation. Donc, j'ai récupéré une image que je vais insérer dans le lecteur CD de la machine virtuelle. Hop. Donc Antergos ici 2016-06-14, image ISO qui a été générée il y a 2 jours par l'équipe Antergos. Et on va voir ensemble comment on installe la distribution. C'est parti. Donc ici F2, je choisis la langue française et je démarre Antergos Live. Alors, hop. Donc, Antergos, c'est une distribution Linux, comme je l'ai dit, basée sur Arch Linux. Elle était connue avant sous le nom Synarch, pour ceux qui suivent toutes les nouveautés Arch Linux. L'environnement de bureau par défaut de cette distribution, c'est GNOME 3, que vous allez voir se charger à l'instant, voilà. Mais on peut installer d'autres environnements de bureau, je vais vous montrer cela de ce pas. L'avantage par rapport à Arch Linux, c'est que cette distribution possède un installateur graphique, nommé ici CNCHI, KNCHI, je ne sais pas comment on prononce ça, que je vais lancer et nous allons voir ensemble comment le tout s'installe. Donc bienvenue sur Antergos. Donc on va cliquer sur installer pour installer la distribution. Ici on choisit le français. Je fais suivant. Pour de meilleurs résultats, veuillez faire en sorte que cet ordinateur dispose d'au moins 8 Go de stockage, c'est le cas, brancher une source d'alimentation, connecter Internet. Voilà, donc tous les prérequis sont validés. Je continue. On choisit son pays, territoire ou région, French FR France. Ensuite, on sélectionne le fuseau horaire Paris-France, c'est parfait. Ici, il y a un petit bug avec la disposition du clavier, donc il suffit de passer après, revenir avant. L'écran se charge ici. Donc là, par défaut, le clavier n'est pas bien sélectionné en français, donc il faut recliquer une fois sur French, voilà, et cette fois-ci, on est bien azerty. Je fais suivant. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'environnement de bureau par défaut, c'est GNOME. Donc il est sélectionné par défaut, sinon on peut installer uniquement la base. Donc ça installera Antergos uniquement avec les outils console sans aucune interface graphique. On peut installer Cinnamon, GNOME, KDE, donc Plasma 5, ici je suppose, Mate, OpenBox et XFCE. Donc on va prendre l'environnement de bureau GNOME puisque c'est celui qui est par défaut. Ensuite, en plus de l'environnement de bureau précédemment sélectionné, ici GNOME, on a la possibilité de sélectionner des fonctionnalités. Donc si on veut ou non Chromium, Flash, donc je vais cocher LibreOffice, je vais cocher Firefox, le noyau, on va garder le noyau traditionnel, on va pas prendre le noyau LTS, on peut sélectionner un pare-feu, donc une complicated, donc c'est UFW qui sera utilisé. Le support des partages Samba, des polices supplémentaires, la possibilité de prendre en charge AUR, la possibilité d'installer Steam et Play on Linux, installer les outils CUPS pour le support de l'impression et le support du Bluetooth. Voilà, donc moi j'ai sélectionné impression, partage SMB, Firefox, LibreOffice, Chromium. Ensuite, ici, on a l'installation, donc comment on veut procéder pour le partitionnement. Donc moi, je vais prendre effacer le disque et installer Antergos.
On a la possibilité de chiffrer l'install. On a la possibilité d'utiliser LVM, ZFS et aussi de placer le dossier personnel dans une autre partition, un autre volume. Donc moi je laisse l'option par défaut, effacer le disque et installer Entergos. Ensuite on a la partie qui traite du disque dur. Donc on veut faire l'installation en mode automatique sur DevSDA, mon disque dur de la machine virtuelle. Et on va installer le chargeur d'amorçage sur DevSDA. Voilà. Je fais suivant. On a un résumé de l'install qui s'affiche ici. Et dès qu'on est bon, on continue et on confirme et c'est parti. On met son nom pour créer le compte. Le nom de l'ordinateur, donc je ne vais pas être très inventif. On choisit le nom d'utilisateur, le mot de passe qui va bien. Et ici, je vais laisser exiger mon mot de passe pour me connecter. Et j'enregistre. Donc là, l'installateur crée la liste des paquets à télécharger en fonction de l'environnement de bureau précédemment choisi, c'est-à-dire GNOME, mais aussi des petits surplus comme LibreOffice, Firefox. Une fois qu'il a calculé ça, il prépare le disque. Autant dire, il réalise les étapes de partitionnement. Il fait quelques mises à jour des logiciels concernés. Et il est parti pour installer les 859 paquets. Donc, vu qu'on ne va pas attendre, et je ne vais pas vous faire attendre en vidéo que l'installation soit finie, je vais mettre la vidéo en pause et je reviens de ce pas dès que les derniers logiciels seront installés. Donc, à tout de suite. Voilà, donc nous revoilà à nouveau devant la fin de la récupération des paquets de la Entergos. Donc, ça fait à peu près 5-10 minutes que les paquets se téléchargent. Comme vous le voyez à l'écran, nous sommes à 812 sur 859. Ici, voilà. C'est mieux en mettant la fenêtre en surbrillance. Donc ma connexion est plutôt rapide, mais je suis assez étonné que le téléchargement prenne autant de temps. Parce que vous voyez, le débit ici n'est quand même pas spécialement au rendez-vous. On est à 80-100 kilooctets par seconde. Autant dire, c'est vraiment peu performant, c'est assez étonnant. Voilà, je vais regarder dans le moniteur système. Donc ici 854 sur 859. Bon, le moniteur système ne veut pas m'afficher les ressources. C'est pas grave. Je vais voir le débit proposé. Par la distribution. Alors c'est pas grave, je vais fermer la petite infobulle. Vous voyez, on a l'impression que là le débit n'est pas trop au rendez-vous, ou le miroir en face est un peu flagada, et on n'a pas bien sûr la possibilité de choisir ce miroir manuellement pour l'installation en réseau. Alors, je suppose qu'il se base sur l'installation de la langue. Ici, j'ai choisi français. Donc, je suppose que l'installation va chercher un miroir francophone, ou français au moins, qui débite. Mais ici, vous voyez, certains paquets, comme Libixion, sont en attente de téléchargement. Et puis, paf, d'un coup, voilà, ça arrive. Donc, je ne sais pas pourquoi. Une fois que tous les paquets sont téléchargés, les paquets se chargent, chargement des paquets. Donc je suppose que l'intégrité des paquets est vérifiée à ce moment-là.
Si ce n'est maintenant, ce sera juste après. Voilà. Vérification de l'intégrité des écarts. Donc la traduction est un peu barbare parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière cette tâche. Mais en tout cas, il vérifie que les paquets téléchargés, je suppose, correspondent bien aux sommes MD5 ou SHA1. Ainsi, on s'assure que les paquets téléchargés sont pas corrompus. L'outil vérifie que les paquets sont bons et il procède à l'installation dans la foulée des paquets. Donc là, on a à peu près 854 paquets. Enfin, c'est même pas à peu près, c'est exactement 854 paquets qui vont s'installer. Donc je remets à nouveau la vidéo en pause et je vous reprends dès que l'ensemble est installé. Donc, me voilà de retour. Nous en sommes à l'installation du 828e paquet, 831e maintenant sur 854. L'installation est donc presque terminée. Je préférais mettre en pause ces étapes un petit peu longuettes au niveau de l'installation, puisque c'est pas marrant de regarder un installateur faire une liste de paquets qui s'installe, hein. Donc ici, on voit que Chromium s'installe dans les derniers paquets. Tout à l'heure, on a vu juste GVFS-SMB. Donc il termine l'installation par les paquets personnalisés. Voilà, donc on a quelques codecs aussi. Et nous allons arriver, donc voilà, dernier paquet qui s'installe. Donc si vous voulez savoir combien de temps a pris l'installation, vous prenez l'heure qui est actuellement affichée dans la distribution, 16h13. Vous regardez à quelle heure l'installation a commencé. Donc j'ai pas relevé, il me semble que c'était 15h56. Donc vous en conclurez qu'il faut à peu près une vingtaine de minutes pour installer l'ensemble sur une machine virtuelle qui dispose d'un processeur et de 2 Go de RAM. Donc le dernier paquet est toujours plus long à s'installer, évidemment. On se demande même si les développeurs de programmes ne font pas avancer de manière régulière une barre de progression, puis quand ils arrivent à la fin, ils se disent merde, il reste encore 100 paquets à installer. Donc on reste bloqué sur le dernier jusqu'à ce que le tout soit fini. Ceci était un petit troll. Voilà, donc il faut un petit peu meubler en attendant la fin des paquets, enfin la fin de l'installation des paquets. Donc on verra bien. Je vais vous montrer, voilà, le temps que le reste se termine via le Chromium fourni dans le Live CD. Entergos est téléchargeable avec deux médias différents, soit le live ISO. Ah. Je peux peut-être pas ouvrir. Il est disponible soit en live ISO, soit en mini ISO. Donc, si on va sur le site de la Entergos Linux, voilà. Ça permet de meubler le temps que ce paquet bloque. Voilà. Donc ça, c'est le site de la Entergos. Ici, pardon, on se rend dans la partie téléchargement. Voilà. ISO refresh. Donc, c'est ici que j'ai pris. Donc là, on a la possibilité de télécharger en 64 bits l'ISO. Live ISO, c'est celle que j'ai prise. Sinon, on a la possibilité de télécharger la minimale ISO. Et on a la même en version 32 bits ici. Voilà. Donc je ne sais pas ce que contient la minimal ISO. En tout cas, la live ISO contient le GNOME ici présentement affiché. Et je suppose que le minimal ISO ne dispose que d'une interface graphique simplifiée avec juste l'installateur en graphique ou peut-être un installeur
en version ligne de commande. Voilà, je close ça et je reviens donc à l'installateur qui, je l'espère, ne va pas tarder à se débloquer. En tout cas, le disque dur de la machine réelle hébergeant la machine virtuelle clignote toujours. Preuve que l'installateur n'est pas planté. Voilà. Donc maintenant que le tout est installé, les locales sont créées, les horloges sont synchronisées, la configuration du démarrage du système est en cours d'application. Cette fois-ci, on a une barre de progression qui se balade de droite à gauche et de gauche à droite. Au moins, on n'a pas de problème de barre bloquée à 100%. Petite astuce que j'ai d'ailleurs utilisée dans mon tout premier programme, ne sachant pas faire une barre de progression qui avançait en fonction de la tâche que j'exécutais. Voilà, le chargeur de démarrage s'installe. La mise à jour des pages du manuel, hop, ce fut rapide. Et... tada ! Antergo s'est installé, donc après 20 minutes. Donc l'installation est terminée, on va redémarrer le système maintenant. Et c'est reparti. Alors, il démarre toujours sur le CD. Le CD ne s'éjecte pas automatiquement, donc on va le faire. Périphérique, lecteur, hop, voilà. Et je vais redémarrer la machine, voilà. Donc, le menu de chargement de la Antergos, le Grub, qui démarre tout seul. Starting version 230. Donc, un système des 230 qui se cache derrière. Et nous allons arriver sur l'écran de connexion de la Antergos. Voilà. Donc écran de connexion assez particulier. Je ne sais pas s'il s'agit de GDM ou autre. Avec la possibilité ici de changer le fond d'écran. De l'écran de connexion. On a l'heure. On a le tout pour hiberner. Mettre en veille, redémarrer, arrêter, et on clique sur l'heure, hop, on a notre compte, on clique sur notre compte, et on se connecte. On a bien sûr la possibilité de choisir un autre environnement de bureau, si on en a installé plusieurs. Et c'est parti, je rentre dans GNOME. Donc le temps que le bousin se charge... Voilà. Donc ici, les dossiers utilisateurs ont été créés en anglais, mais la session s'ouvrant en français, on nous propose de mettre les noms en français. Je mets à jour les noms. Et donc, nous voici sur GNOME 3. Donc, on va faire le petit tour vite fait. Donc, le menu activité avec les logiciels installés. Ou pas. Ah oui, si, il faut cliquer ici, afficher les applications. Donc on va parcourir la Logitech, la date et l'heure, la barre de notification. Donc pour faire le tour rapide, ici détail, donc on a un GNOME 3.20.2, donc un GNOME assez récent. Antergos Linux 64 bits. Au niveau de la consommation de l'ensemble, je vais lancer le moniteur système s'il veut fonctionner cette fois-ci. Voilà. Donc 600 MO de RAM pour l'environnement de bureau. Et un processeur aux alentours de 20-25%. Voilà, voilà.
Et l'ensemble prend sur le disque dur une taille totale de 5,5 gigaoctets. Je vais lancer le terminal rapidement pour vous montrer une M-A. Ah, c'est cool. On a un clavier en anglais. Donc on va mettre ça. Une M-A. Hop, voilà. Donc on a le noyau 462. Un noyau très récent. Donc pour mettre en français le clavier, on se rend dans, pas là-dedans. Alors, on se rend dans quoi? Dans les paramètres de GNOME, voilà, et dans les dispositions du clavier. Dans le clavier, on doit avoir la possibilité. De se mettre en français, non, je sais pas, ou dans pays et langue, peut-être. Voilà, source d'entrée. On ajoute le français, voilà, et on supprime l'anglais. Un petit bug, le clavier n'est pas en français. Une M moins 1. Voilà, cette fois-ci, on a mon clavier en français. Pourtant, à l'écran de connexion, le clavier était bien en français, puisque mon mot de passe contient des caractères qui sont différents sur un clavier AZERTY et un clavier QWERTY. Petit réglage qu'il est facilement possible de modifier, comme vous venez de le voir. Donc, côté Logitech, on a quoi? On a un agenda, l'outil d'ajout-suppression de programme qui n'est autre que PacMac. Nous avons quoi d'autre? Nous avons Brasero pour graver des CD, une calculette, un logiciel de capture d'écran, GNOME Map, donc un logiciel pour de cartes, hein, pour faire des itinéraires, visionner la carte et des petites choses comme ça. Voilà. Donc si je suis à Dijon. J'aimerais bien qu'il me l'affiche. Ou pas, d'ailleurs. Carte. Dijon. Voilà. Dijon. Donc voilà notre belle ville de Dijon. On peut même faire des itinéraires directement Dijon, Paris. Ou tiens, non, on va choisir une autre ville, Bordeaux. Je sais même pas s'il y a un X à Bordeaux, attendez, j'ai un doute là. Non, 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 c'est pas 89, non. Bref, c'est pas grave, je savais pas qu'il y avait un Bordeaux dans Lyon sans X, donc voilà. Et on a le mode itinéraire. Enfin voilà, vous en fichez peut-être. Donc Cheese pour le logiciel de caméra, Chromium. Donc ici, Chromium que j'ai lancé tout à l'heure pour vous montrer le site de la Antergos. Chromium en français dans la version 1 et la version 51. Donc du récent en date. On a la configuration de l'impression, donc comme coché dans l'assistant d'installation. CUPS est en fonctionnement, on peut ajouter les imprimantes. Moyennant un mot de passe root, voilà, on peut ajouter une imprimante sans problème. Un outil pour gérer les contacts, contrôle du volume pulse audio. Un gestionnaire de disque, l'éditeur de texte. Voilà, donc on a HP Lib, bien sûr, pour les imprimantes HP. Le gestionnaire de fichiers, fichiers. Bref, c'est Nautilus, en fait. Nautilus 3.20.1, avec les répertoires en français. Donc la manipulation à l'ouverture de session a fonctionné parfaitement bien. Gestionnaire d'archives, on a Firefox, donc on va voir si le Firefox s'est installé en français.
S'il a détecté. Voilà, c'est en français. Donc l'assistant d'installation a détecté que la langue installée était français, donc il nous a installé automatiquement sur la version 47 le pack de langue français. On n'a pas installé Flash, donc Flash n'est pas installé comme Griffon. On a ici LibreOffice. Donc comme d'hab, je vais lancer mon LibreOffice Impress. On va voir si LibreOffice a pris en compte la langue française. C'est le cas. Donc l'outil d'installation a bien pris en compte la langue française et installé le langue pack de langue français également pour LibreOffice. Donc ça, c'est un bon point. Mot de passe. Ce que c'est. Donc on a un lecteur de musique, à la messagerie instantanée Pidgin, je suppose. Voilà, Pidgin. Donc pour le lecteur de musique, je vais lancer en même temps le lecteur vidéo. Donc c'est le lecteur vidéo Totem. Et donc le lecteur de musique, il s'agit de musique. Gnome Music, qui est un logiciel développé par Gnome. Donc on a vraiment un ensemble d'outils Gnome. Donc ici, une visionneuse de photos. Il s'agit sans doute de Gnome Photo. Le terminal, donc lancé tout à l'heure. Transmission, pour télécharger des images ISO Linux en BitTorrent par exemple. Un visionneur de documents PDF. Visionneur d'images. Et donc on a les paramètres Gnome et l'outil de personnalisation qui n'est autre que le traditionnel Gnome Tweak Tool, livré ici par défaut dans le bureau Gnome. Ici, vous voyez que le thème GTK c'est Numix Frostlight, les icônes sont Numix Square et le curseur Adwaita. Voilà, on peut mettre même thème du shell Numix Frost. Donc, on a la possibilité ici de personnaliser en plus l'ensemble Gnome Shell. Bref, on a une Logitech complète grâce à l'outil d'installation sur lequel on peut choisir grosso modo ce qu'on souhaite installer ou non. Donc ça, c'est pas mal. Les logiciels installés depuis cet assistant d'installation prend en compte la langue, c'est-à-dire que nous sommes en français. Donc vu que nous sommes en français, les packs de langue ont été installés en français. Ici, on a l'utilitaire de mise à jour. Je vais appliquer les mises à jour. Vous voyez, ça se fait très facilement. Sinon, on avait la petite notification là-haut, comme quoi on avait deux mises à jour au démarrage. Et donc, si je lance PacMac pour installer, par exemple, un logiciel supplémentaire, prenons au pif Thunderbird. Je ne pense pas que là, en sélectionnant Thunderbird tout seul, il m'installe le pack de langue française. Il faut quand même pas rêver, voilà. Donc il m'installe uniquement en Thunderbird. Donc si je veux installer après l'installation le Thunderbird en français, il faut bien prendre directement le pack de langue française ici. Et là, il va installer et Thunderbird et le pack de langue français. Mais un petit coup de mot de passe. Et le tout s'installe rapidement. Je vais jeter un œil. Firefox. Ici, mais on a bien Firefox. Et le pack de langue qui a été sélectionné automatiquement à l'installation. Bref, que dire sur cette distribution Linux? Elle est simple à installer grâce à un outil qui était en version bêta mais qui fonctionne parfaitement bien, du coup, qui détecte bien en quelle langue on est et qui installe les packs de langue des logiciels associés. Donc ça, c'est super cool. La traduction française est respectée. Les répertoires utilisateurs sont créés en anglais, mais dès qu'on démarre notre session la première fois, on détecte qu'on est en français, donc ils sont renommés automatiquement. C'est parfait. La Logitech de base est bien fournie. On a une base solide Arch Linux. On a une base Rolling Release Arch Linux. Bref, c'est une distribution qui a de la gueule, qui a tous les avantages d'Arch Linux en ayant une installation facile. Le petit point à améliorer pourrait être par l'installateur la présence du clavier en français une fois la session GNOME démarrée, hein, parce que là on avait un. Voilà.
On avait un clavier en anglais, mais bon, vous avez vu directement dans les paramètres de GNOME, c'est facile. On va dans pays et langue et puis on change la source d'entrée facilement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur la Antergos Linux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être fait découvrir une distribution que vous ne connaissiez pas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!